located a bomb. Be ready for hostile action. Bien joué. Oh, nul, lui. Lui, pff, oh là là, il est vraiment éclaté au sol. Regarde, regarde, regarde ce skill. Hop là, juste avant que ça arrive. Non, mais pourquoi? Maybe come back. Won't you be the man? Ouais, il me l'a mis. Il est à la cour. If you remain in this zone, you will be detected by hostile. Your location has been. Même moi, parfois, quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de me faire l'amour. Nice! C'est vrai, c'est Michael Jackson. Et a bit of genius, not my love. Il arrive sur moi, il arrive sur moi, il me tue, il me tue. Non, il s'est TP. Il s'appelle vraiment Michael Jackson. Ah ouais. J'ai fait le test pour le Covid aujourd'hui, sensation la plus désagréable que j'ai jamais vécue. Alors, tu n'as peut-être pas essayé la sodomie. Si tu veux pas finir à la personne. Opi a donné 1€. Merci mec, pour m'acheter rien du coup. Le plaisir d'une bonne grosse balade. Une bonne grosse bien mûre, ouais. Bien mûre. Moi je me débrouille comme je peux. Ça fait maintenant 2 ans hein, que je joue à Among Us et que pourtant j'ai jamais été imposteur. Faire une voiture à des pneus. Évitons donc de se faire écraser. Il est... Vigile, vigile! Il est dans le couloir avec un tapis rouge qui donne sur la cuisine à côté du Babylon. Mais si, tu sais, celui qui est entre la cuisine et Babylon et qui ressemble un petit peu au main, mais de l'autre côté de la map, là où ton pote Six Dark Six PS4, il avait fait un kill l'autre fois avec une putain de one tap avec caméra, même si c'était le seul et unique frag qu'il avait fait pendant toute la partie, cet énorme fils de. Jamais été un poster, hein. Je pense que je me fais victimiser par le jeu, hein, tout simplement. On est les animaniacs. On a les contacts. Faut que tu fasses le tour. Non, faut que tu me laisses sortir. Oh, il a... Non, il a vraiment claqué. Non. Oh, tu m'as troll, 6-4. Allez, relax, on est malades. On est amis, maniac. Hang in there. Joue pas trop avec moi, mec. La grosse coccinelle, hein? On la gratouille? Oui, 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 allez, ferme ta gueule. Bon coup de tour. C'est 6-4. Petit cul. Grand S. Ouais, non. Quand je veux les prendre, je pense que je vais en payer. Oh! Double citadelle! Joué, il a pris 19k le Svetlana. Ça m'énerve ça sérieusement, les gens qui écorchent mon pseudo. Un petit cul. Oui petit cul. Oui petit cul. Dans la vraie vie, dans le pseudo. Attention, ici c'est l'école de la vie version salée.
Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Hein? Quoi? Bonsoir, on va avoir des problèmes avec le type. Ah non, mais non, mais je m'en fous. Ah non, 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 aujourd'hui on encule chez les couilles. Eh bah... Ah si. Non, j'en ai rien à foutre. Non, mais oui, alors. Quoi? Eh bah tu mets des bips. Non, mais j'en ai marre, moi. Ok, qu'on me dise boomer et tout, machin, j'en ai ras le cul, ok? Je vais leur montrer à tous ces petits. Non, quoi? Tu m'as bipé là? Espèce de. Tu l'as refait? Tu m'as rebipé là? Si je dis aujourd'hui on en. C'est qu'on l'en. Merde! Hey, comment ça va sur le campus de la Solty Academy? Vous avez passé une bonne et une agréable journée? Ça va tout le monde? Bien ou pas? Oh oui, un titre un peu clickbait quand même. Merci Scan pour les 8 mois de frais de scolarité, t'es un monstre poulet. Y'a qui devant le campus de la Solty Academy? Très bien, et toi? On encourage. mais non, mais c'est sur Aimlab là. Il a mis son truc là, il a mis une carte Aimlab là. Gna, 150 000 d'average, gna. Ok? Ok, bon, j'ai rejoué hier soir. Ouais, c'est-à-dire que... Ouais, c'est un peu addictif comme truc, en fait. Pourquoi vous m'avez mis là-dessus, en fait? Ok, bon, rentrez, faut qu'on parle. Eh ben, tu les fais rentrer. Espèce de petit... Putain, je te jure, sérieux. C'est quoi ces mecs, là? Hein? Bon, alors, ça va, tout le monde? Vous allez bien sur le campus de la Solty Academy? Mais non, mais c'est par rapport à Aimlab. Ok, c'est dur, nom de Dieu. Il est trop fort ce con là. Putain, fait chier quoi. Hier, j'ai fait 149K, les gars. J'ai fait 149K, c'est pas mal quand même. Vas-y, vous voulez que je vous montre quoi? En plus, je pourrais pas. Je vais pas rester trop longtemps. Normalement, vers 18h, je pense que je vais partir. Donc voilà, ce sera un petit live aujourd'hui. Réunion ce soir, pas mal de trucs. Voilà quoi. Hein? Un record? Allez, vas-y. Franchement, on fait péter le record aujourd'hui là. Après, je partirai sur R6 en revanche parce que je pense que je vais devenir fou quoi. Et puis c'est pareil là, toute l'équipe Youngtis, ou presque, s'y est mis aussi là. Donc ils commencent à tous la raconter là. Hein? Road to 160K sur quoi? Sur Twitch? Ça c'est facile. 160K sur Twitch, on y est presque. Hein. Mais en revanche, le road to 160K sur Aimlab, j'y crois moins. Hein? Merci évidemment en tout cas à Scan pour les 8 mois de frais de scolarité. Merci les poulets, vous êtes des monstres de payer vos droits de scolarité sur le campus de la Solty Academy. Merci infiniment d'être là, vous êtes des putains de monstres. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, let's go dans le studio, on va pas perdre de temps. All fucking right. Vas-y, j'ouvre Steam là, vas-y. Je sais pas si je peux lancer direct là. J'ai mal au dos en plus. Ouais, je commence à me plaindre. J'ai le droit avec mon grand âge, ok? T'as battu King George? Non mais attendez, mais King George, les amis, on va se respecter un petit peu quand même. C'est King George quoi, ok? King George, sérieux, ok? Non mais sérieusement, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sérieusement. Ok? Attendez, je mets mon machin. Login. Oui, ok.
En coquine. On encourage quelqu'un à dire on encourage chez Eko, c'était trop marrant. Merci Rekin pour les deux mois de frais de scolarité. Il va venir, il y en a, ils vont venir, ils vont dire ça va pas, il y a des choses comme ça. Bon, qui est-ce qui a tapé un peu de ça là? Hein? Qui est-ce qui a tapé un peu de ça? Alright. Oh là là, j'ai mal partout là, j'ai mal au dos et tout. Quoi vraiment propre? Qu'est-ce qu'il a dit? Je pourrais pas aller plus loin, 140k max. Ah si, mais même le père de laine, il s'y met, quoi. Le père de laine, il s'y met, il a fait 126k, quoi. Le père de laine. Vous vous rendez pas compte, le père de laine, c'est l'équivalent. Il y a un problème avec l'écran, là. Ah ouais, non, c'est ça. Attends. Ouais, parce qu'il y avait ça qui dépassait, là. Ouais. Le père de laine, c'est genre Bernard Tapie, quoi. Il a 70 ans, sérieux, quoi. Non, non, sérieusement, voilà quoi. Il y a une catégorie MLab, je crois. Ouais, mais je reste sur Rainbow Six. Est-ce qu'il y a des vues sur la catégorie MLab? Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de vues en ce moment sur la catégorie MLab? Ok. Est-ce qu'il y a plus de viewers quand tu fais parcourir sur Rainbow Six ou sur MLab? Ok. Dis-moi, s'il y en a plus sur MLab, je te jure, je change. S'il y en a pas, ben réfléchis. Hein, voilà, que veux-tu que je te dise? Ah, je peux pas faire grand-chose, quoi. Le choc des vétérans avec le père de laine ou quoi? Comment ça, le choc des vétérans? Mais allez vous faire foutre, ça arrive. À partir de la quarantaine, on commence à percer. Vas-y, vous m'avez saoulé, là. Vous m'avez saoulé. Vous avez zéro respect pour mon autorité, sérieux. Let's go. Et donc, du coup, j'y ai joué jusqu'à 3h du mat. Du coup, j'ai fait 10 heures de MLab au total hier. Je suis vraiment le roi des cons, hein, sérieux. Nom de Dieu, franchement. Je suis vraiment le roi des blaireaux. Vas-y, ça me saoule ce jeu de merde. Pourquoi vous m'avez fait essayer ça, sérieux? Ouais, parfait, la petite musique douce, là. Je sens que je vais péter les câbles. Je sens que je vais péter les câbles. Vas-y, putain, j'ai une trop grosse tête, le casque, il vient de péter. Label, I might pop me too. I was getting money, but they didn't have a clue. Caught the Porsche coming powder blue. Hit the top, we don't need the rule. Fools, no, we made the rules. I'm with the club, posted by the marina. Eating fruits, looking at views that you never could dream of. Getting served all this paper, I'm not talking subpoena. Gotta flow like a river, but you won't find one that's cleaner. No, I do my own tricks. J'ai senti un clac. Vous avez pas vu, non? Putain, merci évidemment Do Nani pour les deux mois de frais scolarité. Merci Rekin pour les deux mois, vous êtes des monstres, les amis. Oh my god, oh my fucking god, sérieux, ce jeu. Ah, oh, je vais pas y arriver. Ah, oh, c'est pas une bonne journée aujourd'hui, je le sens. Ça va commencer à me casser les couilles, voilà. Merci Lenny Bar. Lenny Bar.
Bien ouais. Non, bien ouais. Je respecte. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Celle-là, je l'ai pas vu venir, je te le dis. Quel enculé, putain. Bienvenue à toi, Lenny. Ah. Alright. 50 vidéos et je m'en lance pas. Continuez comme ça, vous êtes des monstres. Merci, Rainbow Killer, t'es un monstre, poulet. Alright. Franchement, je vais pas y arriver aujourd'hui. Je vous le dis, je suis pas dans un mood où je vais y arriver aujourd'hui. Oh, il faut une espèce de plénitude, les amis, ok? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Franchement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir meilleur à ce truc? Vas-y, j'en loupe trop. Non, je suis pas dans un mood, je suis pas dans mon mood. Écoutez cette musique qui va nous permettre de faire le record en une seule fois. Oh là là, c'est bien parti, putain. La gueule. Alors, le record, il est où? Parce que quelqu'un me demandait. Bon, toujours Gutero, là, lui, Cutereux, là, il nous fait chier, lui. Impair, on sait pas qui c'est. Avadent, pareil. Zaiden, bon, bah, c'est l'autre blaireau de chez Youngtis, là. Putain, il a fait combien, 160k ce con là? Putain de chômeur, sérieux quoi. Putain la vache. LNG Sentinel, ils sont où les autres là? Il va repartir avec les 100 balles lui. Furix, Daz, Topyoga, Saeko, Zepidinien, Veger, Nanyanyan, Viter, Masterinho, pareil. Il est monté à combien? 149 183, quel petit enculé, sérieux. Pareil, Youngtis, top 14, Nanin, Pernoud. The Clueless, Nanin, 6-4. J'avais pas fait 100... Ah, je crois que ça avait fait 139 000. Mais voilà, les amis. 21e joueur mondial. C'est de la merde. Alors, ça fait quoi aujourd'hui? Je viens d'arriver. On essaie d'enculer chez quoi. Il est où d'ailleurs? Il est où ce con? Il est remonté? Et il a arrêté? Il est où? Ah mais non, mais je l'ai défoncé! J'avais même pas vu! Bah alors, Sheiko? Ah mais j'avais même pas fait gaffe, je croyais qu'il était à 149! Ah! Bah voilà! Mais ouais, j'avais même pas fait gaffe quand j'ai joué jusqu'à 3h du matin. Ben voilà, viens, venez. Voilà, on va mettre ça. Mission accomplie, on va mettre. Ça va le trigger. Ça va forcément le trigger. Hop là, ça va partir sur Twitter, ça. Hop là. Il va taper. Demain, il est premier, c'est sûr, ce petit con là. Mission accomplie, désolé Sheiko. Yes.
il va m'envoyer chier. Bam! Allez, c'est parti, ça. Bam, allez, hop, on retweet, là. Hop là. Tac, tac, tac. Voilà. OK. Bon. Il le fait avec... Il le fait avec son yep. Hein, t'es un enfant, tu me tues. L'élève dépasse le maître. Comment ça, l'élève dépasse le maître? C'est lui, l'élève, t'es ouf ou quoi? Vous êtes des ouf ou quoi? OK. Ah bah vas-y, du coup c'est, je me bats contre les mecs de chez Youngtis quoi. Merci infiniment Apoluxy pour les 3 mois de fin de scolarité, vous êtes des monstres les amis. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment. Hein, voilà. L'élève dépasse pas le maître. Ah merci, j'avais pas vu. Ah. En t'entraînant, tu penses pouvoir avoir le même aim que style un Dan, Joystick ou Sheiko? Mais t'as pas compris en fait. Moi je vous laisse croire que la jeunesse est plus forte. Mais je les défonce. J'en fais mon 4 heures en fait là. J'en fais mon 4 heures. T'as raison. Vous me connaissez pas les amis. Hein? Il va tryhard le mode, c'est clair, c'est possible. Il va se mettre à 2 cm du truc, on va plus le voir. Terminé, quoi. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose quand même. Vas-y, qu'il lance un live. Il va avoir des provoques par des premiers degrés. Ouais, mais ils ont 12 ans, t'inquiète, ils payent pas ici, t'inquiète. En revanche, je vois déjà la différence par rapport à quand on a essayé le premier jour le mode, hein, franchement. Hein. Comme quoi, ça aide. Ça aide en tout cas à être meilleur sur le mode. Après, je sais pas si ça aide vraiment sur Rainbow Six. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le premier, il a 100% de précision, il est déter. Ouais, mais 100% de précision. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer, en fait. C'est vraiment accélérer au fur et à mesure, quoi. D'abord, travailler sa précision, tu vois. Être sûr de soi quand tu décales. Je pense que c'est le bon mode opératoire, tu vois. Là, je suis lent, tu vois. Forcément, après, tu peux aller faire des trucs comme ça, tu vois. Mais forcément, claquer un 100% de précision. Hein.
c'est de la merde. Et tu vois, si on accélère, il y a quand même moyen, mais d'être précis sur une accélération. Il y a des petits, runs là qui étaient. Padam, 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 padam. On se rappelle un peu ce que ça donne. On l'avait fait, hein. On l'avait fait. C'est un 89 BPM, hein, l'autre. Hein. Donc, on l'avait déjà fait avec un métronome. Hein. On l'avait déjà fait, hein. Lui, on l'avait déjà fait l'autre jour, en fait. Hein. Celui qui a gagné, il a fait exactement ça avec 100% de précision. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Quand j'entends ça, ça me semble pas impossible, hein. Quand j'entends ça, ça me semble pas impossible, quoi. Mais claquer un 100% de précision, c'est propre quand même, hein, putain. Hein. Je pense que ça aide pour R6, du coup. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mets-le en fond. Non, parce que... Parce que là, c'est lissé. Parce que là, c'est lissé. Et je pense que du coup, ça, après, ça va t'influer sur le fait que... Voilà, quoi. Ça, c'est une moyenne, en fait. C'est la moyenne du nombre de kills. Voilà. Qui doit pas être si déconnante que ça. Étant donné que ça se joue sur quelques millisecondes, ça doit pas être si déconnant que ça. Mais de temps en temps, tu décales et ton curseur, il est pile poil au bon endroit parce que le truc a spawn pile à l'endroit où t'étais, quoi. T'as eu de la chatte, quoi. Ou alors, le truc est très gros, tu vois. Donc tu vas forcément être plus rapide que sur certains qui sont tout au fond, décalés à droite, où tu dois balancer un flic, tu vois. Et voilà, ça va pas être comme ça. De temps en temps, ça va être pam, pam, pam. Et de temps en temps, ça va être pam, pam, pam. Mais ça, c'est la moyenne, en fait. C'est le croco dans Peter Pan, il bouffe la main de Crochet. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte, quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu... Pourquoi ? Vous pensez que ça aide pour Rainbow Six, vous ? Sérieux ? Il y a une part de chance où des fois, j'ai des runs hyper compliqués. Ouais, moi aussi, putain, franchement. Et parfois, t'as des runs, sérieusement. Tu tombes à gauche et à droite, le truc, il est 5 fois devant toi de chaque côté, tu sais. Et bam, bam, bam. Et il y en a, parfois, c'est gauche, machin, extrémité, tac, tac, tac. Tu fais, vas-y, va te faire enculer, franchement, va te faire enculer. Tu fais, ok, voilà. C'est sûr et certain que celui qui a battu le record, il n'a pas arrêté de tryhard comme nous, etc. Et celui sur lequel il est tombé, ça a été aussi un bon timing entre le fait qu'il soit chaud au bon moment et un bon run. Hein. Y a de la RNG, hein. Y a forcément de la RNG. On peut pas l'oublier. Merci Ginger pour les 9 mois de frais de scolarité. Merci Pogovic pour les 3 mois de frais de scolarité. Apoluxi pour les 3 mois. Vous êtes des monstres, les amis. Merci beaucoup, vraiment. Ça me touche énormément. Donc voilà, c'est tout. Mais oui, il y a une part de chance. Bien sûr qu'il y a une part de chance. Ça chauffe le bras. Ouais, je pense que ça chauffe le bras, ouais. Moi, je pense pas. Je trouve que ça travaille la précision, mais pas automatiquement pour Rainbow Six. Ouais, ouais, je sais pas. Je vais voir, hein. Moi, j'ai une... S'il y a bien un truc, j'arriverai pas à battre le premier, tu vois. Mais s'il y a bien un truc avec l'âge que tu connais, c'est te connaître toi-même, en fait. Tu sais quelles sont tes limites, tu vois. Donc, je pense pouvoir claquer un 150K, mais au-dessus, je pense que c'est improbable. Je vais toujours avoir un moment où je vais oublier de cliquer à un endroit, je vais trop vite, etc. Sur 30-40 secondes, ça pourrait le faire, mais une minute, c'est trop pour moi. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. Donc, c'est pas possible. De temps en temps, je freeze un petit peu, quoi. C'est-à-dire que vers 40 secondes, je vais aller un peu plus lentement pour pas perdre en accuracy. Mais voilà. En vrai, ça aide sur Rainbow Six jusqu'à un certain niveau. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je me connais assez pour savoir si ça m'aide ou pas sur Rainbow Six. Et je le verrai tout de suite, quoi. Je le verrai, je le vois tout de suite. Moi, j'arrive tout de suite à voir si un truc me chauffe, si je suis chaud, si je suis pas chaud, si je suis prêt, si je suis pas prêt, si je suis en train de tryhard, si je m'en bats les couilles. Avec l'âge, tu connais très bien ton niveau. Tu connais très bien ton niveau. Tu connais tes limites. Tu connais ton corps, quoi. Voilà. Enfin, et tu connais, voilà quoi. L'expérience fait que tu vas pas forcément être meilleur, mais tu sais jusqu'à où tu peux aller en finale, quoi. T'as déjà ce truc-là, quoi. Voilà. Et du coup, je verrai. Moi, je le verrai tout de suite en disant, ah ouais, carrément, putain. J'ai l'impression que ça me chauffe la main. Ouais. Je pense que c'est bien avant de partir en game, tu vois. Genre, tu te fais un run où tu vas dire, ok, je vais battre un 130K, tu vois. Quand tu commences à faire un 130K, tu vois, je pense que c'est pas mal pour te chauffer, quoi. En dessous, c'est un peu faiblard, je pense. Hier, à un moment où voilà, il était 2h, 3h du matin,
15 runs d'affilée, j'ai fait 126, 127, 123, 126, 127, 123, 123, 127, 126, tout le temps, tout le temps. Donc je me disais, ok, ça c'est mon average, quoi. L'average concentré, tranquille, relax, pas de live, voilà, ce genre de truc-là. C'est mon average, quoi. 126, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pas arrêté de le repartager et tout sur machin, il était 2h30 du mat. Et mon average fatigué quand même, mais voilà, 120, 130, on va dire. Et au-dessus, c'est un peu de concentration, un peu de chat et tout. Et je pense que ce truc au-dessus, ce petit... Pour moi, c'est 150K max, quoi. Là, je fais 143. Quand je fais des 143, je me dis, ah putain, j'aurais clairement pu faire 150, quoi. Mais claquer un 164 comme le top, là... Je pense pas. Honnêtement, c'est peut-être trouver des excuses, mais je pense pas que... Je pense vraiment que sur ce genre de truc, sur ce genre d'exercice, il y a des gens qui sont avantagés. Et je pense sincèrement que les gens qui sont avantagés sont ceux qui sont plutôt en fingertip sur la façon dont ils tiennent leur souris. Et avec une sensibilité relativement élevée quand même, en tout cas. Donc avec une capacité de ne pas avoir besoin de faire beaucoup de mouvements pour aller chercher ça et ça. Pour moi, c'est ouf. Hein. Pour moi, aller chercher un truc qui serait tout à gauche et tout à droite, là, ça correspond à faire ça. Ok ? Ça correspond à faire ça. Et là où certaines personnes vont juste être comme ça, tu vois, et vont juste besoin de faire ça, en fait. Et au final, leur bras bouge pas. Alors que moi, mon bras bouge, en fait. C'est pas juste le poignet, c'est aussi le bras qui va bouger sur certaines extensions. C'est mon bras. Et du coup, quand tu le ramènes le bras vers toi, t'as une super précision, en fait. C'est pour ça que je peux claquer des flics à gauche qui sont assez forts. Mais à droite, en extérieur, c'est pas possible. Hein. Pour moi, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué, quoi. Checo a répondu à ton tweet, MDR. Il a mis quoi ? Il a mis quoi ? Vas-y ! Vas-y, prends pas le bait ! Vas-y ! Vas-y ! Toi, joueur ! Ah, quel trou de balle. Ah, au fait, on a changé la date des Salty Duel. Ça arrivera un peu plus tard en octobre. À la base, on voulait le faire avant. On voulait le faire. Merci Arthur pour les 5 mois de fin scolarité. À la base, on voulait le faire avant. Avant la sortie de Battlefield. Mais comme Battlefield est retardé. On peut se permettre de prendre plus de temps. Il y avait beaucoup de pros qui ils ont un emploi du temps qui est assez monstrueux, on va pas dire. Et voilà quoi, il y avait beaucoup de retours de professionnels qu'on voulait absolument on board. Certaines personnes quand on parle de 1v1, c'est assez sexy et on les voulait. Et donc ce sera plutôt vers 2-3e semaine d'octobre. Donc faites point d'exclamation Discord ou point d'exclamation Twitter si vous voulez suivre ça. Voilà, mais ça va être cool, ça va être cool. Et on fera sûrement comme la dernière fois, à savoir avec des open series. Donc des gens qui ont, des streamers qui sont sur Twitch, qui ont les couilles en fait. À partir du moment où ils ont une caméra, et franchement, qu'on me fasse pas chier avec une caméra, au pire ils prennent leur téléphone et tout. Faut juste une facecam, c'est tout. Faut juste une facecam et être sur Twitch. Pas de YouTube et pas de handcam ou de footcam ou de ma mère fait la cuisine cam. Voilà, une facecam. Et derrière ces personnes-là, la veille des playoffs, des Salty Duel, s'affronteront et on prendra sûrement X joueurs. X étant un nombre compris sûrement entre 16 et 32. Quoi. Voilà. Et donc ça, suivez sur Twitter. Ah aussi, à 17h, rappelez-le-moi, dans une heure, grosse annonce. Putain la vache, je suis vraiment une burne, sérieux, j'oublie les trucs. Grosse annonce. Gros partenaire américain, vous allez voir, ça va être sympa. Voilà quoi. Ça va être sexy. Ah ouais, vous vouliez du Rainbow Six, vous allez bouffer du Rainbow Six, bande de... Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah. Yes. Franchement les personnes qui sont en T4, le sub top Rainbow Six français devrait être content. Voilà, on va faire 2-3 trucs sympas. On peut faire des choses intelligentes, je pense. Hmm.
compliqué, quoi. Aïe, aïe, aïe. La première. À chaque fois, faut que je me concentre sur les 5 premiers pour être plus lent et accélérer après. Faut vraiment que je me concentre parce que trop de fois hier, je me disais à 2h du match, je loupais le premier. Plein de fois, j'ai loupé le premier parce que il faut que je zoome avec le truc et c'est relou. Et plein de fois, je loupais les 5 premiers, quoi. Voilà. À plus tard, Ryan. J'espère avoir des gros matchs contre comme le dernier Salty. Ça va être insane. Ouais, ça va être cool. Il y aura des gros matchs, ça c'est sûr. Et peut-être des petites pépites qui vont se faire découvrir. Hein. Voilà, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool pour le coup. Alright. Donc n'hésitez pas, faudra en parler à votre... S'il y a des streamers que je connais pas, c'est possible. Hein. Déjà, vu le temps que je passe sur Twitch en tant que spectateur, c'est-à-dire 2 minutes par semaine. Tu vois ça? C'est relou, quoi. Wallpick classique standard, il est incroyable, même ambiance que celui-là. Ok. J'aimerais bien battre mon record sur celui-là, tu vois. Bon voilà, j'aimerais bien battre mon record. Eh ben c'est fait mon gars, fallait juste le dire en fait. Et encore, il y a trop de merde, hein. Il y a vraiment trop de merde, hein. 92% d'accuracy. Je sais que je peux aller chercher le 150. Je le sais, j'ai dit, je le peux faire. Voilà quoi. Horrible quand ils sont décalés comme ça. Ouais. On va leur montrer qui c'est le boomer là, tu vois. On va leur montrer. On va leur... Alright. Mais c'est dur quand même. Il manque 15k pour aller chercher le premier, quoi. T'imagines? 145, ça va me mettre où là? 145 000? Oh là, ils sont loin. Ils sont tellement loin. Ça va me mettre par là. J'ai pas vu combien exactement. Ah bah ça me met direct. 18ème. On vient de gagner 3 places. J'étais là. Je connais pas ces gens. Tu vois, 98, 96, 100 quoi. Bam, bam, bam. Ça, il doit aller vite lui. Hein. 82 kills quoi. Master, j'arrive. Wallpick classique standard, tu vas adorer. Ah ouais, il va aller sur R6 quand il sera déjà cuit, grave. Coucou 6-4, bonjour à tous, salut Stadlock, salut tout le monde. Voilà quoi. Non mais comme quoi, on peut quand même avoir 2-3 réflexes quand même, hein, ce truc de... Ouais, non mais tu penses pas qu'avec l'âge, nan. Ouais, ouais, et avec l'âge, c'est... Alors, ok. Il énerve ça. Fallait pas titiller mon ego avec ce jeu de merde, là. Le truc à jamais faire. Grave possible top 10 en fait, tu penses? Faut que je mette ça là. Ça me gonfle. Après, je pourrais jamais faire autant en stream qu'hors stream. Désolé. Mais bon, le 143, hier, je l'ai fait en deuxième essai. Hein, franchement, j'ai arrêté le stream. Je suis allé manger. J'ai bu un peu. J'ai pris une douche. Je me suis mis dessus. Je fais un essai. J'arrive pas à tuer le deuxième. Le deuxième essai, 143. Bim, allez hop. Alors que hier, pendant 4h30, j'ai lutté à dépasser les 139. Voilà quoi. Alright. Thank you.
Comment je peux louper ça alors qu'il est tout prêt, quoi? C'est une grosse boule. C'est une médium boule, quoi. Ça, c'est médium, 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 médium. Par, médium, par. Celle-là, elle est chiante, là. Celle-là, là. Et une fois que t'as give up, t'as give up. Hein, c'est fini, quoi. 150k sans devenir fou, vous pensez ou pas? Je peux le faire. Ouais, franchement, 150k, je pense, c'est possible. Ok. Au-dessus, je pense que mon cerveau peut pas. Je peux pas. Je peux pas sur une minute être aussi constant et tout. Les mecs sont ouf, hein, franchement. Chez Echo, machin, je pense, il le fait avec sa bite, hein, je pense. Il joue avec son sexe, il le fait tranquille le matin, quoi. Merci Wazoom pour les 6 mois de frais de scolarité, t'es un monstre poulet. Merci beaucoup, Wazoom. Ça me touche énormément, les amis. Enculé de pattern de merde, quoi, franchement, quoi. Je me suis tapé toutes les merdes, là. Attends, on va essayer d'accélérer un peu, là. Ça sert à rien, j'arrive pas. Autant rester sur le même pattern. Dur, hein. Dur. T'es censé viser là. Ça veut dire quoi, Sanéco? Moi, français de France, de Bretagne. Moi, parler relativement bien français quand même, donc tu es censé viser, j'ai rien compris. Tu es en Astérix? J'ai pas compris. Tu es sensibilisé? C'est possible de baisser le son du jeu? Vas-y, il est trop bien le son du jeu. Mais non, ça me motive, moi. Sérieusement. Endormez-vous grâce à ça. C'est de l'ASMR aujourd'hui, ok? Ah, aussi, ça, c'est possible. Et t'es en sensibilisé, je vois pas ce que tu veux dire, poulet. Il y a un truc sur la... Oui, je pense, ouais. Il y a moyen de le niquer, le top world. Hein. Là, je fais que j'essaie d'accélérer. Hein. Ah non. Tu vois, il y a un moment où... Il y a un moment où je perds le truc, quoi. Il y a des petits... Qui fait ce que vous... Hein, que vous... Hein? C'est beau de rêver. De quoi? Vas-y, me triggerez pas, ok? Vous vous rendez pas compte de la taille de mon ego, je pense. Hein? Si vous grattez mon ego, là... Ah ouais, non, mais c'est bon, quoi. Ouais, il y a eu 2-3 fois, et parfois 2-3 commentaires m'ont donné envie de revenir en Pro League, hein, je te jure. Ouais, t'es flingué. Je sais, vas-y, bah c'est reparti, enculé. Vas-y, il me faut un truc plus calme. Le problème, c'est de maintenir la concentration sur une minute. Mais c'est trop dur! C'est trop dur, vous faites combien, ça? Top 21, c'est déjà ça. Je suis pas top 21, mec, je suis top 18. T'es pas là, déjà. Ouais, on a rebattu le haut score, hein. J'ai fait 145k, là. Ouais. L'important, c'est de participer, Six. Fils de pute, va. C'est la phrase que je déteste la plus au monde, sérieusement. L'important, c'est de participer.
Non, moi je me, moi je joue pour me dépasser moi-même. Ah, ok. Bah participe alors, fais pas chier quoi. Et si tu peux amener tous tes potes qui veulent juste participer, moi ça m'arrange du coup. Hein. Comme ça, ça fait une grosse compétition où je suis sûr de gagner moi. Hein. Avec plein de participants, ouais, c'est important. Hein. Et puis vous irez tous au bar après. Ouais, l'important c'est de participer. Ah, tu as bien participé. Ouais, ouais, on a été bons dans la participation. Hein. Faites ça, ouais. Partez devant, j'arrive. Non, je rigole, je rigole. Non, bien sûr, l'important c'est de participer. Il me spawn pick. Spawn pick sur Oregon. Vous vous souvenez quand on pouvait mettre une... quand... Cette fenêtre, elle était pas ouverte avant. Il y avait que celle-là qui était ouverte. Ou c'était là. Celle-là, elle a jamais été ouverte. Je sais pas si celle-là, elle a pas été ouverte. Pourquoi j'ai la mémoire de quand elle était ouverte? Non, jamais, hein. Mais tu pouvais mettre ton shield avec Jagger, monter sur le shield et piquer. Ça, j'aimais trop, ça. Oh, ça, c'était trop stylé. Tu prenais ton petit shield enculé, tu voltais sur le shield. Hop là, tu te mettais sur l'arête de la fenêtre et tu niquais tout le monde. Bah alors, tu aimes jouer à Rainbow Six? Oh, ouais, j'adore. Une seconde. Oh, c'était trop fort, sérieux. Hein, tu vas brancher ta manette pour battre ton score. Vas-y, arrêtez, arrêtez. Ne vous moquez pas des personnes en situation délicate, ok? Ah, si je zoome pas, en revanche, ça va pas le faire. Vas-y. Ah, si, c'était zoomé en plus. C'était zoomé. Ok, bon, laissez-moi tranquille. Vas-y, je vais pas y arriver. Je suis plus dedans. Ne nous contentons pas de trop peu. On veut mieux. Allez, vite, j'essaie d'anticiper le prochain alors que j'ai même pas tué le premier, quoi. Ça, c'est un truc qui devrait arriver à 40 secondes, pas à 10 secondes du début, quoi. Oh, le run d'enculé, là, pareil, quoi. Gauche, droite, haut, bas, tout, franchement. Ah, merde. Ça, c'est chiant quand j'oublie zoomer là. C'est con que tu puisses pas le faire pendant le truc. Ah. Chut. On va y arriver, les amis. J'aime bien quand ils sont tout prêts comme ça, là. Gros ballon, tu sais. Ouais, pas comme ça, tu vois. Non. Et là, ils sont vraiment trop forts. Il y a des gens, ils sont vraiment trop forts avec l'aim. Ils sont vraiment trop forts. Merde, j'ai oublié de zoom. Il y a vraiment des gens, ils sont trop forts. Teko a score plus gros que celui de 6-4 sur Nbab, alors voilà. Merde, il vient de le faire. Il vient de le faire ou pas? Non.
Non, ok, d'accord. Merci Wazoom pour les 6 mois. Il est pas en live, de toute façon. C'est pas son jour off aujourd'hui, vendredi. Non, c'est le samedi, leur jour off chez BDS, je crois. Allez. Merci également, Dwayne Nou. 3 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Solitaire Academy. T'es un monstre, poulet. Merci beaucoup. T'y crois à ça, sérieusement, t'y crois à ça. Merci Deiki, nouvel étudiant du campus, bienvenue les amis, vous êtes des putains de monstres. Merci. Merci pour le soutien. Ça a pété trop un câble avec le bruit des cibles. Non, putain, j'ai fait 7 heures hier quand même de MLab. Je pense que j'ai un problème, les amis. Ah, je fais de la merde. Enfin, oui, je fais de la merde déjà il y a 5 minutes, mais. Et les dégâts, ça fait de la merde. T'as dû en rêver la nuit. Non, même pas. J'ai plutôt bien dormi. Extérieurs comme ça pour moi c'est trop dur. Ah, visiblement même les intérieurs sont durs quoi. Putain, charmant une burne. Ah, bon alors, et vous avez fait combien? Il y en a qui ont dépassé les 100k déjà là? Déjà 100k. Hein, voilà quoi. Le bruit des cibles, on dirait que le POC de l'âne dans Shrek quand il part à fort, fort lointain. Je sais pas, j'ai jamais vu Shrek. Ouais, ne m'insultez pas, ok? Il y en a 2-3 comme ça, les films. Ok, je les ai pas vus. J'ai jamais vu Shrek, jamais vu Harry Potter. Ouais, ça m'a jamais attiré. Je sais pas. Je passe pas les 141, sa mère. Enfin, après, du jour. Moi, un record, c'est 122K, ce qui est pas mal. 100K, 105K, pas essayé. Le jeu est gratuit, hein, si vous voulez. Hein. Wow, Harry Potter, non, ça c'est trop. Ouais, je sais. Après, tu joues pas avec la même sorcière en général. T'as pas vu Harry Potter? Jamais. Ah ouais, non, mais bon, voilà quoi, Harry Potter, quoi. Vas-y, si je loupe le premier. Ok, cette fois-ci, c'est la bonne. Vas-y, c'est bon, la musique d'ascenseur. Vas-y, mais me fous pas un full gauche comme ça dès le début là, sois sympa. Je gueule. Mais parce que c'est un ratable ça.
Ouais, ça touche pas de toute façon. Pick advantage. Vas-y, mais loulou, ta, quoi. Sois sympa avec moi. Donne-moi un bon run, maintenant. Bon run. Il met un truc tout là-bas, qu'on voit à moitié, tu sais. NS. Allez, ça l'est pour vous. Ça l'est pour vous, les vieux. Celle-là, là, juste celle-là. J'ai oublié de zoomer. Vas-y, mais fais pas ça, l'enculé, quoi! Ça se fait pas, putain, les conventions de Genève, là. Un ratable, ça. Oh là, je suis dessus en plus, quoi.
Allez. Quelque chose. Ah bah oui, il y aura pas beaucoup d'interaction avec le chat si vous me demandez de tryhard là. Ça c'est clair, hein. Ça je vous le dis les amis, on peut pas faire deux choses à la fois. Celui-là doit être l'un avec celui-là que je rate le plus souvent. Là, ils me font chier, ça. Et lui aussi, non. En fait, ça s'explique. C'est que lui, là, est le dernier qu'on peut voir, en fait. Donc, sur une décale où on va le voir là, l'information va mettre beaucoup plus de temps à arriver sur le fait que le truc soit là par rapport à un truc qui est là. Parce que, il est là en faisant juste ça, il est déjà là en fait. On peut pas fliquer. Ah, celui-là il fait chier en fait. Celui-là fait vraiment chier parce que parfois même ça m'arrive de pas le voir quoi. Il va y avoir une demi-seconde puisque j'enchaîne déjà le prochain mouvement, donc c'est pas comme si je restais en fait sur le truc quoi. Donc un truc comme ça est beaucoup plus simple quoi que ces deux-là là, lui et lui. Ouais. Bon, je viens de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont chiants en fait. C'est juste parce que l'information arrive après en fait. C'est quoi le nom de l'exercice? C'est Siege Linpi qui me semble. Alors.
j'essaie les trucs encore. Hein. Quand ça part en couille, je continue pour essayer des trucs en fait. Merci Cherux pour les 10 mois, t'es un monstre poulet. Ça sent trahir la planète ici. Je loupais pas l'autobout là. Une heure de aimlab, la vache. Une heure de aimlab, la vache. J'en ai fait 8 heures hier. Hein? Donc voilà. Et tout va bien, hein, franchement. On pourrait croire que ça rend un peu fou, tu vois. Mais alors que pas du tout, tu vois. Enculé, enculé. Quel est l'intérêt de faire 8 heures de aimlab? Ton cerveau va fondre. C'est vrai. C'est plutôt ma main qui fait mal. Hein. Mon cerveau... le cerveau, il... Justement, c'est de la mémoire musculaire à la fin, les amis. Y a pas de cerveau à la fin, quoi. Justement, quoi. À la fin, moi, je vois même plus la cible, en fait. Je vois une décale à droite, une décale à gauche. Je vois les trucs bleus, bla 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 bla. C'est que de la mémoire musculaire, quoi. À la fin, tu vois. C'est hyper bien, au final. Donc non, au contraire, c'est plutôt pour faire travailler tes réflexes. Donc du coup, qu'est-ce qu'un réflexe, si ce n'est le fait de faire une action sans que ça passe par un contrôle du cerveau, pour le coup. Hein, voilà, quoi. Syndrome de la tourette. Je vais arriver ce soir, je vais aller voir des potes. Je vais aller leur dire, hey, salut. Hey, ouais, t'es vachement drôle, toi. Tu peux me serrer la main. Hey, ouais, non, je peux pas, en fait, j'ai un problème. Ouh. Comment je peux louper ça? Oh.
quel enculé à mettre des trucs à droite là. À gauche, pardon. Enfin, à sa droite. Bon, je vais partir sur Assis après. Je vais pas faire que ça quand même. Ah, c'est trop addictif! Ça va? Ah, je devrais y aller plus lentement au final. On va y arriver, les amis. Vous connaissez pas MLab? Il y en a qui connaissent pas MLab. Mais il est mis en avant sur Rainbow Six, non? Il est pas mis en avant sur Rainbow Six? Ils en parlent pas sur Rainbow Six direct? Y'a pas de S à la bande, en revanche. C'est pas très grave. Mais... Oh là là, god damn fucking damn it. Mais en revanche, il est disponible pour console aussi. Enfin, il est pas disponible sur... Merde, j'ai pas zoomé. Il est pas disponible sur console, mais on peut y jouer à la manette. Ouais, les settings manettes et tout. Non, mais franchement, si des personnes veulent devenir meilleures sur console, ça peut pas être mauvais. Hein. C'est carrément des features. Je... Bah oui, ça c'est Oregon. C'est le spawn construit. Ah, j'ai oublié de zoomer. On perd 2 secondes là-dessus, quoi. Vas-y, stop. Doucement, les 5 premiers. J'oublie de zoomer. Pas zoomer. Zoomer. On voit pas la diff. Ah, ma tête, ça doit être dur, non? Bah, tu feras pas le même score, ça c'est sûr. Désolé, mais à moins qu'il m'assiste. Horrible celui-là, on le voit pas quoi. Horrible celui-là là, dans le coin gauche là. Vous voyez contre le mur là, celui qui... Bon, contre lequel je décale. Ouais, merde. Je n'arrive pas à trouver la map. C'est quoi? Elle montre le nom STP. C'est Siege Lean Peak. C'est dans Siege Training. Menu déroulant de gauche, Siege Siège. Et après c'est Siege Lean Peak. Siège, Lean, Peak. Nom de Dieu. Ouais bon, c'est bon, stop quoi. Let's go. Ah, je pars trop. Ah, j'arriverai plus là. Vas-y, j'arrive plus là. J'ai l'impression que c'est un record par jour, les amis, grand max. Hein.
C'est ouf d'avoir des runs de 10 secondes, 5 secondes qui sont aussi belles, quoi, et de faire de la merde derrière, quoi. C'est ouf, hein. Franchement. T'as des conseils pour s'améliorer sur Rainbow Six ? Ouais, plein. Ils sont tous sur la chaîne YouTube. Je pense. C'est le meilleur moyen. Mathieu. Chaîne YouTube. De faire un si bon run et puis de s'arrêter comme une merde, quoi. À cause de lui, là, hein. J'y arriverai pas sur celui-là. Hein. Hallucinant, quoi. Il est trop à ma gauche, quoi. C'est hallucinant. Trop à ma gauche en bas, quoi. Elle est trop vite. Mon ex me disait aussi. Hein. Putain de sa mère! Ah.
Redon est chaud sur cet exo. Ah, il est top 4. Hein. Il est top 4, le petit enculé. Mais il est chômeur. Donc c'est normal. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu 6-4 Aim Lab, s'il vous plaît. Pour entraîner son aim. Pour ça, ça s'appelle Aim Lab. Que du coup, c'est Aim Laboratory, tu vois. Donc c'est le laboratoire de l'aim. Le laboratoire de la visée, en fait. Ouais, le nom est bien. J'aime bien, tu vois. Il est où, Sheiko? Sheiko, tu vois ma place dans le classement? Il est en dessous. Ah, c'est tout ce qui compte. On va réveiller la bête, il va tout péter. Je suis sûr qu'il va faire un top 1 demain, ce con. Je sens que je peux faire un truc, c'est ça le truc. C'est pour ça que je continue, quoi. Aidez-moi les amis, donnez-moi votre force. Je pense que quand même le meilleur des moments, c'est, je pense que le meilleur des moyens pour s'entraîner à ce genre de truc là, et je le fais mal, hein, c'est d'être à 100% quoi. Pas de 100%. Adwin. C'est qui Sheiko? Inconnu. Un random. Ah, nique. Oh, les enculés, quoi.
trop de ratés, trop de ratés. 86%, trop de ratés, les amis, trop de ratés. C'est ça qui me met dedans, non? Il s'appelle comment ce mode? Siege Lean Peak, les amis. Siege Lean Peak. Ok. Trop de ratés. Je suis pas précis, en fait. Il y a eu un run là, il y a eu un petit run qui t'a fait bien là. Param, 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 paratata. J'aimais bien. Il y a eu un petit moment, je sais pas si vous l'avez entendu, de 15 secondes qui était très rapide et très précis quoi. Mais c'est pas assez les amis, c'est pas assez pour faire le world record. Alors, le problème, c'est quand on tire pas. Je sens que je pouvais faire un truc de ouf. Mes yeux ils décrochent. Je suis en train de penser à ma liste de courses et tout. C'est tout le monde. C'est inratable ça. Droite, gauche, bam, 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 bam. Je le sens, les amis. Merci Axel pour les 6 mois de frais de scolarité. S'il vous plaît.
ratable, ça. Et l'enchaînement derrière, pareil. Je sens que je peux le battre. Vas-y, plus dur encore. Gauche, droite, gauche, droite, milieu, droite, gauche. Vous y croyez à ça. Vous y croyez à ça, je m'arrête pendant une heure, franchement. Ça, c'était le world record. Non, sérieusement. Là, j'étais à panam. C'était bon, ça. Hein. C'était méga bon, les amis. Mais derrière, 83% d'accuracy, parce qu'à un moment, je pète un câble, en fait. Mon cerveau, il dit non, c'est bon. Non, c'est bon, trop. Trop pour aujourd'hui, en fait. Oh, non, en fait. Sously, man. Pas bon mindset. Là non plus. Je loupais pas l'autre là.
Nouvelle vidéo. Allez commenter, liker, partager. L'un des membres de l'équipe Youngtis a été viré. La prochaine fois. Ah ouais, sérieusement. Bah, on va mettre tout mettre en avant, etc. Mais par rapport à leur performance de la fois dernière, vous allez voir dans l'analyse, y a une erreur qui est faite et elle ne devrait pas être faite. Donc cliquez sur ce lien, likez, commentez, partagez. Ça me ferait extrêmement plaisir, les poulets. Vous êtes des putains de monstres, right? Vous êtes des putains de monstres. Bref, il est viré. Deux secondes. Laissez-moi aller le partager, justement, moi aussi. Alright, allez faire mon travail, ok? Allez commenter, liker, partager, tout ça. Voilà. Oh, il y a une autre nouvelle qui vient de sortir. Je vous montre. Alright. Bam. Très belle chose en perspective. Regardez sur Twitter. Tac, 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 tac. Hop là. Bon, désolé, je parle pas des masses, parce qu'il y a plein de trucs à faire, il y a tellement de taf, j'envoie ça. Ok, c'est parti, c'est envoyé. Bam! Trop de trucs, je viens d'envoyer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous l'annonce du coup sur le campus de cette Salty Academy. Laissez-moi vous l'annoncer. All fucking right, mesdames et messieurs. Regardez derrière moi. Annonce. All right, du coup, voilà ce qui vient d'être annoncé. Et ça fait extrêmement plaisir. Comme vous pouvez le voir ici. Welcome a Rainbow Six Legend. Ouais, c'est moi. J'aime bien quand tu m'appelles comme ça. Subscribe to the First Blood family. We're so excited for the future of First Blood and Rainbow Six. So stay tuned. Et voilà, c'est envoyé, les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit partage, retweeter, etc. Il y aura de très belles... J'ai déjà teasé à plusieurs reprises par rapport à ça. Et n'hésitez pas, vous verrez. Il y aura de très belles choses qui vont arriver dès mi-octobre. Donc pas mal de compétitions. Enfin, déjà une belle compétition en tout cas qui arrivera mi-octobre. Et une autre mi-novembre et une autre mi-décembre. Ça sera annoncé très 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 prochainement. Voilà. Et ça fait extrêmement plaisir avec un joli cash prize à se partager. Donc c'est parfait pour tous ceux qui n'ont pas accès aux compétitions, bien évidemment sur PC. Voilà, cela va sans dire. Et vous verrez, ça va être vraiment, vraiment, vraiment excitant. On voulait justement organiser des compètes, évidemment. Et là, le fait de pouvoir le faire avec un partenaire comme First Blood, ça va être vraiment cool. Hein, ça leur permet de... Ils vont payer cash price. Vous allez voir. Alright. Bon, pour les informations Twitter, allez me retweeter ça, s'il vous plaît. Ça me ferait extrêmement plaisir. On va le mettre de toute façon à peu près partout sur le campus de cette Salty Academy. Merci en tout cas à eux, voilà, et allez commenter, allez liker, allez partager le truc, ça ferait trop plaisir, et eux ça leur fera plaisir, et ça nous permettra à l'avenir de refaire encore plus de belles choses avec eux, et principalement bien évidemment autour de Rainbow Six, alright? Et voilà, c'est tout simplement ça. Alright, let's go guys, let's fucking go, on repasse sur le studio.
Et donc oui, nouvelle vidéo aussi à aller liker, commenter, partager. Plein de trucs à faire en fait. Vous avez plein de trucs à faire les amis. Okay, vous avez plein de trucs à faire. Liker, commenter, partager. C'est Salty Academy. Vous allez voir. Voilà. Tac. On va aller voir ça. Tac. Copier le link. Je vais l'envoyer ici. Je vais vous le mettre aussi sur, sur Discord. Ok. Hey everyone. J'espère. Allez mettre un petit truc qui danse là sur Discord, ça ferait extrêmement plaisir. Alright. Comme ça, je le fais directement. Comme ça, il n'y aura plus à le faire parce qu'après, ça va être trop tard. Autrement, c'est le problème du décalage horaire après. Et après, vous êtes tous en week-end et vous en avez rien à branler. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Non. Ok, donc ça c'est envoyé sur Discord. Alright. N'hésitez pas à aller lâcher un petit truc qui danse là en dessous. Là, ça ferait extrêmement plaisir. C'est envoyé sur Discord dans le truc annonce, les amis. J'ai fait un @everyone. Lâchez des likes, lâchez des trucs. Alright. Plus on en parle et mieux c'est. Voilà. Et j'ai du mal à... Je dis de la merde parce que j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Hein, donc, je suis en train de le faire. Alright. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool pour le coup. Vraiment cool. OK. Et donc, il y aura très belles choses en perspective. Vous verrez. Et le pouce bleu, c'est le Discord gg.soltyacademy. Donc, n'hésitez pas à aller... pour ceux qui sont pas dessus, à mon avis, vous y êtes quasiment tous là. Voilà, surtout si vous cherchez des teammates. Alors, teammates sur MLab, ça sert pas à grand chose, mais des teammates sur Rainbow Six, c'est pas mal, alright? Il est quelle heure là? 17h11. Est-ce qu'on n'irait pas se faire du Rainbow Six du coup? Parce que je vais pas pouvoir rester trop trop longtemps non plus. Pour le record, on le mettra ça une autre fois. Ok? Ok. Tac. Ok. Tac. Ok, ça c'est bon. Laissez-moi deux secondes les amis, je reviens, je vais urinax et je reviens d'ax. Hein, voilà tout. Je suis là. Alright. Hey, vous êtes plus de 200 là, 275. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu un gros like, des gros partages sur le truc sur Twitter là, bordel de merde. Soyez sympa, putain. Vous avez plus envie qu'on fasse du contenu sur Rainbow Six? Bah continuez, c'est comme ça que ça se passe les amis. Moi je vous le dis tout de suite, ok? Nom de Dieu. Ouais, nous en fait on veut rien faire mais on veut se plaindre quand il n'y a pas ce qui va pas. Bah ouais, bah, vous avez la possibilité de faire en sorte que ça marche quoi. Ouais. Ah, vous seriez pas le genre de personnes non plus qui vont pas voter mais qui se plaignent des présidents en place.
Ouais, mais lui, t'es allé voter? Non? Bah non. Ok. Du coup, tac, tac, tac. Ok. Ubisoft. Ah, mais on n'a rien dit. Mais justement, vous avez rien dit. Il est là le problème. Vous devriez faire plein de bruit, en fait. Vous devriez aller sur Twitter, aller liker le truc, aller le retweeter, aller mettre... C'est génial, génial. Merci, merci 6-4. Franchement, voilà. Pour la communauté, pour les compétitions sur Rainbow Six, pour le sub-top. Voilà, ce genre de truc-là. À ce qu'après, dans deux semaines, dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois, tu diras « Pourquoi tu vas pas sur Rainbow Six ?» Bah parce que, gros blaireau, t'étais pas là quand on faisait des compètes. Non ? Bon bah alors, il s'avère qu'on s'est rendu compte que ça intéressait plus personne, donc on est parti sur Battlefield. Ok ? Et voilà, c'est ça qui va se passer un petit peu quand même. Mmh. Ah yeah. Alright. Du coup, je lance le jeu. Mais j'aime bien me plaindre aussi. Moi. J'ai lâché un petit commentaire en plus. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça, ça fait plaisir, ok ? Ça, ça fait plaisir. Je lance le jeu, les amis. Il faut que je... Bam, 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 bam. Tac, tac, tac. Tac. Je vais aller mettre sur YouTube aussi le truc. Pardon, désolé. Du coup, je dois le faire. Voilà. Tac, 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 tac. Ah oui, et allez liker, commenter, partager la dernière vidéo. Ça nous ferait extrêmement plaisir, les poulets. Désolé. Tellement de belles choses à venir. Allez. Hop là, on fait ça. Plus d'infos sur le Twitter, discord.gg/academy. Aïe aïe aïe, ah, faut tout faire soi-même. Non, il n'y a pas de www de mémoire sur un truc Discord. L'autre, bam, 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 bam. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà, vous avez liké, vous avez commenté, vous avez partagé, les amis, et ça, ça fait plaisir. Forcément, s'il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de machin, si on sent qu'il n'y a pas de hype de la part des gens, ben ça va pas le faire, ok ? Hein, ça va pas le faire. Il y a un moment, on va regarder juste les stats, et puis après, on dira, bah, mec, ça marche pas en fait, tu vois ? Ah, il n'y a personne ? Ah mais si, mais moi en fait, j'aimais bien, mais machin, mais quand tu l'avais annoncé, en fait, j'étais parti en vacances au Maroc. Ouais, mais d'accord, ok. Une grosse compétition sur MZ, hein, plus d'infos sur le Twitter. Sur Twitter, sur le Twitter, sur Twitter, sur... Ok, bam, ok, tac, 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 tac. Regardez, regardez le professionnel. Je l'envoie dans l'onglet communauté de YouTube, les amis. Ok, voilà. Ok. Voilà, c'est parti. Onglet communauté de YouTube. Like, commenter, partager. Ça n'existe pas, je pense, sur le truc, mais bon, c'est pas très grave, ça. Ok. Et il reste... Ouais, parce qu'il fallait vraiment que je l'annonce. Le problème, c'est qu'ils le font pendant le live. Donc, je suis désolé. Mais bon, on pouvait pas prévoir. Ils ont été un peu nazes là-dessus. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise ? C'est normal, c'est les Américains. Leur dites pas, surtout, parce qu'ils nous payent quand même. Enfin, le cash prize, surtout. Tac, 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 tac. Enfin, de la future compétition. Enfin, vous avez compris, quoi. Tac, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et on va mettre ça ici, maintenant, sur Facebook pour les vieux d'entre vous, là. Pour les plus vieux, mon gars. Tac.
Tac, tac, tac. Vas-y, j'ai pas que ça à foutre là. Nom de Dieu. Ok, c'est parti. Envoyez maintenant. Ok, eh, ils ont 60k likes. Ok, désolé, tac, on prend 2 secondes et on y va. Alright. Ok. Je pense que tout est bon. Hein. On a fait Discord, Twitter, machin, truc bidule. Voilà. Putain, Facebook, ça rend de la merde, quoi. C'est ouf, quoi. 3 heures pour poster une photo, quoi. Ok, c'est fait. Alright. Great. Alright. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Désolé. Mais il fallait qu'on fasse ça. Ok, display, on va peut-être pas être en 16/9 parce que c'est un peu un truc de merde quand même. Ok. Yes, apply change. Tac. Est-ce que après AimLab, on peut lancer directement parce qu'on est chaud? On va voir. Hein. Est-ce que ça marche? Parce que si on n'est pas chaud, ça sert à rien du coup. Ah mais c'est vrai, du coup. Autant partir en terrorist hunt. Hein, voilà. Y'a moyen, tu viens solter, je te fais un partage, tu me montres Jordi. De quoi vous parlez? Prenez ça sur Discord, les amis. Comment allez-vous, cher proviseur? Ça va très bien. Du coup, il y avait 2 trucs à partager. Désolé, il y avait la vidéo qui vient de sortir sur YouTube qui est vraiment trop bien. On parle de Youngtis. S'il vous plaît, allez la commenter, vous êtes 300, allez la commenter, allez la liker et la partager, chacun d'entre vous, c'est hyper important, ça permet derrière, parce que YouTube ça marche comme ça maintenant, ça aide l'algorithme en fait, donc ça va la recommander pour d'autres personnes et peut-être qu'on aura la possibilité de la montrer à d'autres personnes quoi. Et je sais que c'est tout con, mais tous ces petits likes, ces partages, ces machins, si vous voulez voir un créateur de contenu sur un jeu ou un truc en particulier, c'est le meilleur moyen pour vous de l'aider dans la niche dans laquelle il est parfois. Dans la niche d'un point de vue marketing, ok, hein, dans le truc sur lequel il est, c'est le meilleur des moyens, quoi. Parce que l'autre moyen qui consisterait à rien branler, à pas commenter, à pas liker, à pas partager, mais se plaindre quand il est plus dessus, ça, c'est le moyen de merde, ça. Ça, c'est vraiment l'attitude d'enculé, quoi. Vraiment, quoi. C'est j'ai rien fait, j'ai jamais aidé, j'ai pas partagé, j'ai pas machiné, etc. Mais quand il n'y a plus rien, je me plains, quoi. La bonne attitude un peu française, quand même. Et merci infiniment, Chromadata. Merci. Merci pour les 5 mois de frais de scolarité. Des monstres. Donc, allez commenter, liker, partager. Il y a plein de trucs. Et voilà, quoi. Après, sauf si vous pensez que c'est de la merde, hein. Et merci infiniment, Prestab Dude. Merci pour les 14 mois. J'avoue, 14 mois de frais de scolarité, c'est chaud. Merci pour les 14 mois de frais de scolarité, t'es un monstre, poulet, vraiment. Hi guys. Bon, ça fait 4 jours que j'ai pas joué. Hein. Ouais. Lourde la dernière vidéo. Merci poulet, ça fait extrêmement plaisir. Si vous avez aimé, ça fait plaisir. Voilà quoi. Bon, vous avez compris, du coup, c'est Zaydon qui est viré. Ouais, parce que déjà AimLab il m'a cassé les couilles. Et puis quand Sebeb va lancer une flash, c'est chaud quand même. La nina. Vous avez tous commenté, vous avez tous liké, tous partagé. Jumper, va voir avec Krusty si ça a été retweeté sur Youngtis vu que ça touche Youngtis. Vas-y, on les flash. Les petits wallbangs sur Oregon dans la dernière vidéo. Moi, j'ai claqué un wallbang. Je joue pas dans la dernière vidéo. Je crois pas, hein.
Je joue pas moi dans la dernière vidéo aussi. C'est que Yunkis, non? Quand je regarde les vidéos, parfois après j'oublie. Non, pas toi. Qu'est-ce qui claque un wallbang? Ah, Zayden. Zayden, Zayden DF, Basement Bunker, Blue, Oregon. Ouais, je vois. Ouais, One Tap Jager avec sa décale de merde. Il m'a saoulé avec ses décales de merde. Et t'as réussi à faire les 100% sur Aimlab? Même pas, mec. Franchement, même pas. Genre même pas, mais bon, j'ai fait 140, je sais plus. C'est quoi mon record, du coup? Je suis monté à 143 000, ce qui commence à être pas déconnant. 145, je l'ai battu tout à l'heure en live, là, du coup. Hier, 143, tout à l'heure en live, 145. Donc, on est 18e. 18e mondial. Protect the bombs. Du coup, ouais, ça peut peut-être aider au final. I'm reloading. Ah ouais, sauf le recoil, j'avais oublié qu'il y avait du recoil sur ce truc. Ça va m'aider à mettre des one-tap du coup. J'ai l'impression que ma sensibilité est trop élevée. Non ? One library. One on site. Ouais, j'avais la musique. En fait, là, je vous disais, il y avait une nouvelle musique maintenant sur Majin. Ça va? Ouais, vite fait. Ouais, ça va. Merci évidemment au panda jaune pour les 4 mois de frais scolarité. En revanche, j'aurais dû vraiment faire de la Teroen, quoi, parce que c'est vraiment pas pareil. Donc ça chauffe la main. Là, l'idée, c'est de me dire ça chauffe la main et c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Mais... je sais pas quoi jouer. Ça chauffe la main. Mais ouais, t'oublies, en fait, t'oublies le jeu, quoi. T'oublies, c'est pas pareil, quoi. Donc tu sens que t'es plus près. Tu sens que t'es meilleur peut-être sur des. Bam, 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 bam. Mais j'oublie les mécaniques, en fait. J'ai oublié toutes les mécaniques, là. Parce que ça fait 4 jours, du coup, j'ai pas joué. Les mécaniques avec ton clavier, en fait, quoi. Là, c'est mon placement qui est mauvais. Le truc. Ah oui, c'est vrai. Tous les trucs qui sont autour de l'aim, quoi. En fait, quelque part. Mais tu sens que c'est pas mal quand même. Enfin, je sens que ça peut être pas mal. Ah ouais, tout le monde spawn kill, quoi. Careful wide, guys. A bomb has been located by op 4. Can you hold on white skirt?
Non, je spawn, non, je spawn. On a rien, quoi. Rage kit, carrément. One white. Can you guys talk or? Yeah, one stairs on the left, on your left. 1v1, I will tell you. I have no idea actually. Might be cigar or piano. Merci Zakura pour les 14 mois de frais de scolarité. C'est quoi ces mecs ça Oh bah en face pareil. Et les chambres son arme, elle est trop belle. T'as pas peur de te faire des tendinites avec Aimlab? Bah non, je bois beaucoup du coup. Merci infiniment le Guise, le monstre, putain, merci. On va switch to kitchen or I mean as you want guys, hein. Vas-y, je vais aller roamer, l'autre il est parti, de toute façon on s'en fout, elle est perdue celle-là. Merci d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de payer leur droit de scolarité et même de devenir des étudiants au campus de la Salty Academy. Pour Axe Monox, pour Loss, pour Naves, pour Splash, pour Bourzop, pour Fragman, Nexos, Tinero, Blitz et Didi Zouk. Ils font tous payer leur droit de scolarité ou leurs frais d'inscription au campus de la Salty Academy. Et ça, c'est grâce à la grande générosité de Le Guys. Alright. Envoyez-lui plein de GG, plein de cœur. Et n'oubliez pas, vous avez votre charme de la Salty Academy, même si... Ah oui, d'accord, 2 AFK et tout, d'accord, on est bien les mecs. Donc je sens que c'est pas mal, hein, vraiment, aimlab là. Je sens que c'est pas mal, mais ça n'empêche pas de faire de la Tier 1, quoi. Parce qu'en fait, si tu fais que du aimlab, bah du coup, tu oublies totalement c'est tes mouvements, en fait. Et Rainbow Six, c'est tellement l'art de savoir se placer, l'art de jouer avec ton clavier, plutôt. C'est beaucoup de clavier, au final, quoi. Loading new magazine. Okay. Spotted by hostiles, fall back.
4, last operator standing. Well, he's a red hatch. Don't go. The diffuse is in the kitchen. He's still on the roof. You can hear him. Droning. Moving. Nice. Merci le guise encore, t'es un monstre. Je sens que le truc aim lab c'est pas si déconnant. Hein. We're gonna be top. Merci infiniment, Bill, nouvel étudiant du campus, bienvenue à toi. Enjoy le charme pour l'exclamation charme de la Salty Academy sur Rainbow Six. Pas bavard les mates, ouais, bon, c'est mieux. Je me sens chaud, hein. Franchement, je me sens chaud du aim, quoi. Hein. Mais pas bon sur mes mécaniques. Il aurait dû me punir, le mec, tout à l'heure. Heureusement que la hache, il y a eu un alignement des planètes, en fait. Bon, elle prend un flic à l'un, en revanche. Hein. There's a spawn kill here. Trying to spawn kill, I think. On va l'écouter. Yeah. Probably, like, they prepared the window here on my ping. Ça, c'est important de casser la machine. It's a vigil in his kitchen. Proceed to bomb location and defuse it. You must recover the diffuser. Activating shock clone. Swapping mags. The diffuser is now secured. Stay clear of the blast. Coming. Méga chaud sur ma souris, mais tellement chaud. J'ai pas bon, hein, mais chaud. Can you hold my drone? This one? Mission successful.
Eh, il me lave, c'est pas mal en fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas si mal. C'est juste psychologique, mais je pense vraiment que je me sens bien avec ma souris, quoi. En revanche, mon clavier, je suis un peu à la ramasse, quoi. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal pour chauffer. Pas mal pour se chauffer. Pas mal. 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 We need to locate a bomb. Salut Backback. On peut voir la même chose à Lolo. Attends, c'était pas dégueulasse en défense que je connais. Non, ça allait, c'était propre même. C'est méga propre, les amis. Donc, n'oubliez pas, il y a une vidéo qui vient de sortir sur le campus de la Salty Academy, sur YouTube, s'il vous plaît. Aidez les esclaves, les monteurs, pardon, du campus. Allez la liker, commenter, partager, tous. C'est pas genre, soit liker, soit commenter, soit partager. Non, c'est liker, commenter et partager. Et ça nous aide beaucoup, vraiment. Et ça vous prend juste 20 secondes. Voilà. Le temps d'une... d'une masturbation, quelque part. 20 secondes. Proceed to bomb's location and defuse it. Loading new mag. From Argentina. One VIP. Non, what? Il a pas pris une balle. You serious? You fucking serious, man? Et lui, il est champion. Man, franchement, ça c'est champion, quoi. C'est tellement simple à avoir. Champion, c'est vraiment trop simple à avoir, ça, mec. C'est vraiment un truc de noob, quoi. On dirait un crosshair placement de Platine 4, quoi. Ouais, Platine 4, ouais. Ouais. Ouais mec, une seule balle hein, c'est une caméra de Valkyrie hein gros. Franchement tranquille, elle a pas été blindée hein. Ah celle-là on l'avait vu, c'est bon, réflexe, deux de réflexe. Mais non il peut pas être là, il va être à gauche du mur que sur lequel t'es en train de tirer, game sense. J'avoue, il était quand même pute ce capcan. Je crois qu'il glitch pas dans le. Il glitch pas le capcan dans le sac poubelle. J'ai jamais fait gaffe. Mais il était dans le sac poubelle, non? Il a bail le compte, 6-4, t'es sûr? Non, ça c'est un. Tu sens que c'est un bon joueur en termes de aim, de machin, de truc. Tu sens que c'est pas mauvais, quoi. Le mec, il va prendre full Twitch, non? Ah tiens, attends, on va essayer. Mais Twitch c'est trop simple mon gars, Twitch ça met des bananes mon gars. Si t'es nul avec Twitch, faut arrêter le jeu hein. Vas-y, prends les termites, voilà quoi. Twitch Yana machin là. H bien sûr, ouais quoi que H maintenant. Ouais quoi que le G36, le G36 il est vraiment fort quand même hein. C'est quand même méga propre quoi, ça va Sneaky Poulet? Ça sert à quoi le VIP hein? Ah le VIP c'est dire je suis VIP mon gars. Ça veut dire que tu es une personne très importante. Tu vois, VIP. Alors que toi, bah toi t'es rien quoi en fait. Non mais c'est vrai en fait. Bah, du coup t'es pas VIP. Donc t'es pas très important. Donc bah t'es pas... pas... What? T'es rien quoi. Ah je rigole. 5 seconds before insertion. Alright, motherfuckers.
Putain, il y a une caméra. Be careful, camera and cap cap. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ah, c'est l'autre. There would be a Valkyrie outside, I'm pretty sure. Yep. Oh no. Nice, bros. I'm coming. Drone spinning up. I can drone for you guys. Wait, wait, wait. The bar. There is no one in the brown stairs. No one in the entrance. On my ping, no one. Closet is clear. Capcan, Capcan, be careful. Another one here. Yeah, I'm gonna check if they are all on site or maybe Romy. Be careful, red stairs. I didn't check, huh? Yeah, one on the left, one in just in front of you. Near the window. Look out, it's five. Reloading! Look out, can you open thermite? You can use it. Nice. It's open. One in the fridge. I mean behind this. One behind the bomb. One behind the bomb and one on site here. Both on site. One here on ping. And the other one on the other ping. Oh non, je pensais pas qu'il sortirait. Je pensais que j'aurais le temps. La chatte, la chatte, la putain de chatte. Ah, et puis 3-2 en plus. On l'avait tranquille, quoi. Putain, je leur donnais les calls et tout. C'est vraiment des burnes, quoi. Même quand je me mets dans un petit rôle support tranquille. Vas-y, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Hein. They were both on site. The fridge is open. Yeah, 1v1. The last one is on my ping. On my ping, bro. He's, oh, I can't ping. Ah. Yeah, right side. Right side. Yeah, there. 15 seconds. Peeking. Oh, exactly on ping. Exactly on ping. Laying down. Peeking up. Nice. Good. Il se reprend du Capcom. Ah ouais, t'as vu. Franchement, quand t'as un ping de qualité... Laying down, picking up, il est là, tu veux pas que je te mette directement le aim au niveau de sa tête? Ah ouais, forcément, la communication en fait, hein? Putain, ça me vénère ça. Vas-y, bah prends là ta Twitch de merde. They're gonna be top, right? Can someone take a hard breacher at least? Like the ace? Yeah, great. Let's open the red stairs wall. Même pas un merci pour le call. Après, peut-être qu'ils écrivent. Hein. Ouais, j'ai enlevé les, ouais, le chat, moi. Bro, Glacier and Goldust? Jesus. Like who? Me? That's pretty hot. Look, Twitch has got Glacier and you've got Gold Dust. Well, Glacier is like two. It's nothing. Gold Dust is the thing. We need to locate a bomb. So basically, like, we can't hear you for talking about, like, communication and stuff, but when it's about the skins, you show up, right? Yes. All right. Exactly. Piece of shit. Donc je lui dis, donc en gros, on t'entend pas quand c'est les calls, mais quand c'est les skins, ah là, il y a du monde quoi. Il disait Glacier plus Goldust sur le même compte quoi. Donc là, c'est un compte assez vieux au final quoi, hein, pour avoir un Glacier, non? Ah, j'y connais rien, c'est vous les pros là-dessus. Hein. Il peut acheter son compte. Hein. Non mais sérieusement, le mec, on l'entend pas du tout. Oh putain, un skin! Ah, c'est bon quoi. Non, ça me bénère moi ça. Ah, ouais.
Et la beauté du jeu là-dedans, ok. Moi j'enlèverais tous les skins du jeu. J'en aurais rien à foutre. Ah si, si. Demain j'étais patron de Ubisoft. J'enlève tous les skins du jeu. Were they top? Are they top? Ella was on top, I don't know where they are though. Même pas envie de drôner. J'aime pas mes drones. Je mérite même pas mes drones. You located a bomb. Concentrer un peu, on communique un peu, on les défonce easy, même à 4 quoi. Mais non. Ça m'énerve. Ouais, son aim était pas. C'était pas ouf. On dirait un mec qui vient d'apprendre à faire des A et des E. Mais il fait tout, il fait le disfait son maximum. Oh, attends, c'est un peu dur quand même. Franchement! Franchement, je savais pas, ok? On a aucune idée, ok? Mais! Je vais vous montrer un truc. Par rapport au passage d'un mec de tout à l'heure, je me dis que peut-être. Oh putain, faut que j'y aille après moi! Putain, j'ai une soirée au Macumba. Je vais boire au fucking Blue Boys. Secure the bomb. Après, je vais au Macumba, les mecs. Test deployed, awaiting target. Ah ouais, grosse fin. Oh ma coma! Ah, regardez, je vous montre le tricks, ok? Parce qu'on a vu que tout à l'heure, le mec il pushait d'une certaine façon dans le restaurant en bas. Donc, on se met là. Ok? On fait. Hop! On passe au niveau du drone. Oh merde. C'était bon pourtant. Oh je crois, je savais où est-ce qu'a dit l'allée de son drone. Je peux l'anticiper là-bas mais... Il va être à ma droite le connard. Putain le game ça, mon gars, je vois tout. There is one on my ping. One on site or what? Check the cam, please, at least. Ouais, bon bah c'est mort. Par des noobs.
Je sais pas, sur les transferts, je me sens bien là, tu sais, au niveau de l'aim. Mais en revanche, ouais, là, le mec en haut, c'était pas ouf. J'ai jamais vu l'énorme canne à pêche de la... Ah, mais je l'ai jamais vu in-game, ce que ça donnait, du coup, le truc avec la machette, là. Merci infiniment, Bill, nouvel étudiant du campus. Merci à toi. Vous êtes des monstres, les amis, vous le savez. Hein, ça fait extrêmement plaisir. Et ça fait très plaisir parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dans très, très peu de... très peu de temps. Voilà. Alright. L'important, les palages, les années d'expérience, absolument. Level 81, je suis sociable sur ce stream. Yes, vous êtes des monstres. Il va pêcher au 6-4. Mais je vais pêcher au tannant, hein. C'est bon, on a le droit de rigoler, quand même. Bon, ça va. Et vous faites quoi ce week-end, hein? Vous avez prévu quoi? Vous avez prévu quoi avec votre week-end? Right? Vous allez faire quoi? Vous allez voir la famille? Non? Vous allez poncer Aimlab? Je sens qu'il y en a qui vont poncer Aimlab. Ah, si. Moi, j'essaie de jouer dimanche matin au foot. Mais t'as quel âge, toi? Toi, t'es un daron, le Guise, non? Dimanche matin au foot, va à la messe, mec. Je vais jouer à Rainbow Six comme un chômeur. C'est bien, t'as raison. T'as 44 ans. Oh non, arrête, hey, mec, hey, tu vas te péter le col du fémur. J'ai cliqué sur ton live juste pour voir si le titre est respecté. Absolument. Il l'est, puisque on a fait Aim Lab, ok? Et j'ai défoncé Sheiko. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il a parlé de Aim Lab sur son Twitter. Ça m'a fait chier, ok? On a commencé avant-hier. On a saigné le jeu. Non, hier ou avant-hier? Et voilà, et c'est tout. Et je suis 18e mondial. Et lui, il est perdu dans les méandres du truc, quoi. Et encore, franchement, j'ai à peine tryhard. Non, j'ai tout donné, j'ai saigné du cul, ça. Coup de cassé, donc pas grand-chose. Coup de cassé? Comment c'est possible de se casser le coude? Explique-nous comment tu t'es cassé le coude, sérieusement. Casser le coude, putain, ça doit faire méga mal en plus, non? Ah, quoi. Dans quel training? Dans Rainbow Six Lean Peak. Siege Lean Peak, ça s'appelle, je crois. N'oubliez pas, nouvelle vidéo, on va vous la mettre là. Elle vient de sortir. Allez la liker, la commenter, la partager. Liker, commenter, partager. Commentaire, like, partage. Partage, commentaire, like. Commentaire, like, partage. Partage, like, commente. Ça serait extrêmement sympa, s'il vous plaît. Vraiment. Elle est là. Merci beaucoup, les amis. Vraiment. Ça aide les monteurs. Ça aide tout le monde, de toute façon. Go s'occuper des enfants. H24, quoi. Qui a des enfants? C'est qui les darons, là? Qui a plus de 40 piges, là? Non, vous pouvez pas venir, là, sérieusement. Vous devriez être sur des trucs de comme Mister MV. Des trucs de darons qui jouent plus à des jeux compétitifs, tu vois. Voilà, quoi. GTA RP, des trucs comme ça. Vous devriez pas être là. Rien que de regarder ça derrière, ça vous rappelle toutes vos années de compétition et d'e-sport où vous avez été jamais très bon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez mettre du GTA RP, voilà, c'est important. Ouais, des trucs comme ça. Vous, daron est moins de 40 ans. Mais t'es ouf ou quoi? Moi, plus de 40 ans, j'ai 28 ans, mec, tranquille. Merci de ton soutien, ouais, ça me fait plaisir. Yo les bichettes, comment ça va? Salut tout le monde. Je suis tombé dessus assez violemment. Et comment t'es tombé? Explique-nous comment t'es tombé sur ton coude. Je veux dire, comment tu peux tomber et te dire... C'est les poignets qui viennent avant. Y'a aucun moment où j'ai envie de mettre mes coudes en avant, moi. À moins que tu le fasses... À moins que tu... Je sais pas, tu fasses du catch, par exemple. Si tu fais du catch, ça passe au final. Il va, tac, tu vois, saut de la troisième corde. Ok, là je veux bien. I wanna play Consulate! Fuck you. Vas-y, Clubhouse en attaque. Trop bien, on est trop content. Peut-être qu'il a pas de poignet. Ah oui, c'est possible. Ouais. 30 ans, une petite fille. C'est vrai, je me suis perdu, je me casse. C'est le nerf qu'il y a dans le bras qui, à cause de ça, l'un des nerfs les plus horribles. Ok, 28 ans MDR. Ah ouais, il y a que des darons de 30 ans en fait. Peut-être qu'il a pas de poignet, qu'il est tombé sur des moignons. Ouais, on vient de faire. Il y a quelqu'un qui a fait la blague genre 10 minutes avant. Parce qu'il avait des doigts visiblement. Il écrit plus rapidement. Allez, let's go.
ma partie sera une victoire, défaite, ou de la merde. Même à la trentaine, on aime ton contenu, ça devrait agrandir ton cercle de viewers. Ouais, j'aime bien qu'on m'agrandisse le cercle. Ok, let's go. Tu demanderas à qui de droit, alors, parce que pas très chaud pour t'aider autrement qu'en partageant ton contenu. Ok, essayons de comprendre cette phrase de Sommet TV, qui visiblement a quelques petits problèmes à s'exprimer. Relisons. Tu demanderas à qui de droit alors parce que pas très chaud pour t'aider autrement qu'en partageant ton contenu. Non. Non, ça n'a aucun sens. Non, je me dis, est-ce que c'est parce que j'ai fait trop de MLab, mon cerveau est cramé? Et non, en fait. Non, ça, c'est une phrase qui pue la merde. Ah ouais, ouais, officiellement, elle pue la merde. Elle, ça n'a pas de sens, en fait. Hein? Elle n'a aucun sens, ta phrase. J'aime qu'on m'agrandisse le cercle. Ok, donc sachant que tu... J'aime qu'on m'agrandisse le cercle, ok. Et donc tu réponds, tu demanderas à qui de droit, alors? Parce que pas très chaud pour t'aider autrement qu'en partageant ton contenu. Ah! Garage is free. Ah, ok. Yeah, parce qu'en fait, il parlait de mon trou du cul. T'as oh non, compris? J'ai tombé dans une game avec 6-4. Quoi? J'étais en train de regarder ton stream tantôt. 5 seconds before insertion. What? You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ça fait deux trous du cul, du coup. Putain de Québécois, ça arrive. Ah ouais. Tantôt. Wait, wait, wait. Ok. Yeah, on the shit. Let's go, construct site. Je peux le faire par l'autre côté quand même. Who is low on the catwalk? Dead in the catwalk. Stop flashing. You're like Zayden. Drop the diffuser. Oh non, il va pas me redécaler ce connard. Ben ouais, mais pas bien. Enfin le... En fait, les flics sont bons et mon tracking est dégueulasse. C'est quand même moche, non? Seconds.
tracking est dégueulasse. Mon tracking est dégueulasse. 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 Y'a un truc pour le tracking sur le jeu ? Pour Aimlab ou pas ? N'empêche, en fait, ce qu'il faudrait faire, parce que le truc de bosser les flics et tout, tu vois, tac, 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 je me sens bien. Je me sens chaud. Mon tracking est dégueulasse. En fait, il faudrait faire une petite playlist. Tu vois ? Ah ouais ? Plein ? Ok. Yeah, they're gonna be basement. La la la, n'oubliez pas pour l'installation de charme, les amis. We need to locate a bomb. Yeah, don't forget to get the charm. Alright. J'entends parler de ce First Blood, c'est quoi en bref? C'est vrai qu'on n'a pas fait de commande sur First Blood, mais tu verras. Y'a Captain here. Not basement. 10 seconds before insertion. Yeah, there might be gym. 5 seconds to insertion. Gym. You must locate and defuse a bomb. Kelly, can you come over here? He's bandit tricking. Mais depuis quand on peut pas rappel ici là? Can you join me in? Jim? One here, guys, on ping. Server. One gym side. Captain was server. I don't know if Captain is dead, but he was server. Can you plan back? Nah, let's make the kill. Coming with you. Might be rotating, right? Easy. On bridge. Op 4 neutralized. Mission successful. La 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 la. La 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 la. X toujours 1080? Oui. 1084 tiens. Je vois rien sur le site de First Blood en lien avec Rainbow Six. Ah c'est con quand même, non? Sachant qu'ils ont déjà fait une compétition avec King George sur Rainbow Six. Genre rien du tout. Genre rien du tout. Tu vois? Pour le moment, c'est juste le partenariat qui est annoncé. Après, ce qu'on va faire ensemble, ça arrivera très bientôt, vous inquiétez pas. Ça va arriver genre début... Très bientôt. Vous inquiétez pas.
Si vous voulez du contenu sur R6, il va y avoir du contenu sur R6. Et si vous voulez des compètes, il va y avoir des compètes. Alright. Merci infiniment, Timazolini, pour les 6 mois de frais de scolarité. À mon poulet, merci beaucoup. Encore rasé cette barbe de 3 jours. Jamais mon gars, ça c'est le plus court ça. Ah non, autrement je ressemble à un gamin de 18 ans, please. Déjà j'ai l'air jeune, je crois. Sorry. Can I get a Cali under? Astronaut electrify. Heureusement qu'il y avait personne. Right to the left. In a grenade here? Behind the box. Four last operator standing. Diffuser is online and active. Four neutralized. Mission successful. J'aime bien jouer après MLab, quoi. Je me sens vachement bien sur mon truc. Pas les mecs, c'est pas ouf. Mais je me sens vachement bien sur ma prise de souris et tout, tu vois. Quand la souris, c'est comme si j'avais joué pendant 2-3 heures quand même, quoi. Vraiment. Quand la souris accroche bien là, machin. Après, c'est bizarre parce que, comme je le disais, le problème c'est que il y a plein de trucs que tu te sens bien sur ta souris, mais tu fais plein de merde sur le tracking. En fait, la gestion de ton recoil déjà, en fait, parce que tu mets des one tap sur MLab. Et que des flics, du coup. Enfin, sur le truc que je faisais, quoi. Mais avec un petit... Franchement, avec une petite playlist, pourquoi pas, c'est peut-être pas déconnant, quoi. Une playlist qui prend à peu près tous les trucs, c'est peut-être pas déconnant, hein. Vraiment, quoi. Les moves sont ultra clean après AimLab. Ouais, grave. Sauf la gestion du recoil, du coup. Et du coup, c'est un peu lié avec mon tracking qui était dégueulasse, quoi, tu vois. Mais tout à l'heure... Mais tu sais, sur clac, 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 sur le fait de... Tu vois tout de suite aller chercher cette arête là, je sais où elle est, je viens, machin, je vais aller la chercher, tac. Ouais. Après en revanche niveau clavier, bah ouais, t'oublies en fait que bah ouais, Rainbow Six c'est des mécaniques difficiles en termes de clavier. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça. C'est des mécaniques qui sont pas faciles en termes de clavier, donc ils ont coupé l'arbre, enfin. Non, j'avais même pas vu ça.
Encore mieux pour spawn kill du coup. Si tu la mets, je te donne 10€. Arrête, Jelly. Vu que t'es sur le live, je te le dis, ça m'énerve. Ok, je ferme. Merci. Je veux jamais de lien. Normalement, ça c'est un mute, hein. Jamais de lien entre ce qui se passe dans un jeu et ce qui se passe in-game. Reloading. Je supporte pas ça vraiment. Mavericking the wall. On est sur un serveur en anglais, on parle en anglais. Je veux pas de français, moi. Pourquoi on a pas renforcé ça? C'est vraiment n'importe quoi. I don't know what he's doing. Got one cave. C4 set. Hostile found. Spotted by hostiles. Fall back. Nice shot. Ah, tu vois, je me sens super bien sur mon aim, après je fais de la merde quand même, mais... Je me sens chaud quoi, vraiment. C'est pas mal aim là-bas, vraiment. Vraiment c'est pas mal au final. On the window. Après c'est est-ce que c'est juste une logique de confiance en soi peut-être C'est possible aussi hein. I got the camera, garage. On breach, watch. Is he in garage or not? No, he was outside breach. T'es gentil, normalement c'est ban def. Normalement c'est ban def. Hein. Toute personne, que, tout lien qu'il peut y avoir entre le jeu et R6, c'est ban def. Je peux pas savoir si c'est fait dans une logique de ouais, j'ai envie de jouer avec toi ou ouais, j'ai envie de te défoncer en tombant contre toi. Quoi. Là, je sais qu'il y a du stream snipe et ça se fait pas. C'est tout. Donc là, je suis vraiment dans un bon jour. En règle générale, ça c'est ban def. Merci Capta pour les 5 mois de frais de scolarité. Merci poulet. Et c'est pour me protéger. Hein. Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. No offense, c'est pas personnel. Down to 15 seconds. Et voilà. Quoi? Last operator standing. 10 seconds left. On va la perdre celle-là, ça. 5 seconds left. Ok. Op 4 has deployed a diffuser. You need to destroy it. On the left. Yeah, left. Nice. Op 4, last operator standing. You got it. We have the garage camera. Left. Door. Cash. Left of the door. Yeah. That's nice. Right. Mission failed. All you use DBNO actually. Yep. Nice try. MDR, je suis sûr, il a même pas fait exprès de tomber contre toi. Oh, ta gueule, franchement. Vous me cassez les couilles quand je vous dis ça, d'accord? Quand je vous dis c'est le cas, d'accord? C'est tout. Y a pas de discussion possible avec le truc, ok? À chaque fois, je vous ai prouvé par 100 000 fois que je me trompais pas par rapport à ça. Quand je vous dis il y a 80% de chance, il y a 80% de chance. Quand c'est 100%, c'est 100%, ok? Quoi? Et n'essayez pas de savoir pourquoi, comment, machin, truc bidule, c'est 100%. Ah désolé mais bon, on casse les couilles à chaque fois ça. Mais t'es sûr que machin... Astro c'est juste de la chance. Secure the area, keep the bombs protected. Ah mais c'est relou ça. Y'a pas pire que le stream hack pour un streamer quoi. Donc c'est on est intraitable avec ça. Ouais. Gentil pas gentil, pas les couilles. Non, wait. Ten seconds remaining. 5 seconds to insertion.
Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Op 4 has located a bomb. Pushing construction in kitchen? Yeah, okay. Droning top garage, droning garage right now. Secret. Three drones, blue stairs. Nice. They just gave me all their drones. Pushing you, Maverick. Got it. Thanks. Another top garage, IQ. She's looking at the stairs. She dropped. Coming for you, Cade. Okay, two garage. He dropped again. IQ and Capital. Don't do that. Got a wreck in the wind, son. Stairs. Yeah. Boat there. Boat in secret. Down to 15 seconds. 10 seconds to go. On for last off standing. She went back to stairs. On for eliminated. Mission successful. You find it too. Oui, le hasard peut arriver, les amis. Là, j'ai juste dit que ça n'en était pas. Bien sûr que le hasard peut arriver. D'où le fait que j'établisse parfois la possibilité d'un stream hack ou stream snipe à non 100%. Gym instead of 27. Cash. Right? I don't mind. Le pire pour moi, quand tu veux t'améliorer sur un boutique, c'est d'être constant. Tu seras jamais constant, poulet. C'est normal que tu aies des hauts et des bas. Hein. Protect the bombs. Lol. Down to 10 seconds. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Ready for hostile action. Ah, faut courir vite quand même. Thank you.
Merci PG. Faut courir vite quand même. Je sais pas si tu peux le choper. Ou alors faut s'assurer qu'il y ait personne qui... Watch out garage door. Faut s'assurer qu'il y ait personne qui... spawn au niveau de warehouse. Mais tu peux spawn kill à gauche, non? Avec une clash qui te cover? Je voulais impact ici et faire le kill à gauche sur une sortie construction. Tu peux plus le faire, il y a un arbre maintenant. Il est quelle heure? Oh putain les amis. Bon, je vous laisse. Alright, on passe dans le bureau. Let's go. Alright, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça va être sur ce que l'on va s'arrêter. Je vous avais dit 18h30, je suis à la bourre, j'ai beaucoup de choses à faire. Désolé. Alright, désolé pour eux aussi d'ailleurs. Du coup, je décolle. Alright. Je vais envoyer les crédits du campus de la Salty Academy. Merci infiniment, vous avez été très nombreux aujourd'hui et ça fait très généreux une fois de plus sur le campus de cette Salty Academy. Merci infiniment, vous êtes des putains de monstres. J'en remercie beaucoup. Et du coup, on se retrouvera normalement demain avec la possibilité quand même que je prenne deux jours de day off qui ne seront pas vraiment des day off. Avec la formation capitale de la journée, vous l'avez vu. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous l'avoir présenté, à savoir ça. Alright. Ça, vous allez en entendre parler très bientôt. Donc, vous allez sur Twitter. Normalement, vous avez l'annonce qui a été faite. N'hésitez pas à aller la liker, la commenter, la partager. Ça ferait extrêmement plaisir. Si vous voulez du contenu sur Rainbow Six, il va y en avoir grâce à ça. Et ça nous permettra d'être un peu next level, alright, de faire un petit truc bien bien sexy d'ici très peu de temps et même sur 3 mois. Donc vous allez voir, on entendra bien. Enfin, je vous en reparlerai très bientôt. Si vous voulez avoir toutes les news en temps réel, comme d'habitude, point d'exclamation Twitter ou point d'exclamation Discord ou les deux. Voilà, c'est là à mon avis qu'on peut avoir toutes les infos me concernant et concernant le campus dès qu'elles sortent, hein, tout simplement. Alright, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce live était un petit peu plus court que je vous avais dit, mais il est 18h30 et il faut vraiment que je me barre. Beaucoup de choses en ce moment, une réunion avec eux, d'autres trucs, voilà. Je vous fais les bisous, je disparais de vos écrans, une fois de plus, et j'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. Le donateur, les surveillants bien évidemment. Les membres du Salty Fan Club, les nouveaux et anciens étudiants du campus de la Salty Academy. Les sub-gifters comme le Guise et autres. Et Overa Gamer aussi, tous ceux qui ont le petit cadeau. Les patrons. Bref, toutes les personnes qui font que la Salty Academy ira to the fucking top. Grâce à vous les poulets. Et d'ici à normalement demain. Je vous le dis, je vous le répète une fois de plus, comme tous les jours. Mais certes, nous sommes salty. Oui. Mais pas que.